Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver et à plus d'un titre sur AgriMax, Christian Quino en sacrifice au centre de Liège. Rue Vinavenil, c'est très facile, c'est juste à côté de la place cathédrale et c'est un établissement qui s'appelle l'Astrada, qui a été repris un petit peu par la famille Rousseau. On va aller voir Salvatore qui est en cuisine. Et puis la particularité de l'établissement, c'est qu'il y a une terrasse de 45 couverts auquel la circulation ne tourne pas. C'est quand même sympa, c'est un piétonnier, c'est par là que ça se passe. Pensez bien que je vais me sacrifier. J'ai bien l'impression que je vais me laisser tenter par les tagliatelles au scampi. Je le sens bien, c'est parti. Salvatore, content de te rencontrer, ça me fait vraiment plaisir. On est dans la cuisine, le cœur même de l'Astrada. C'est connu des Liégeois depuis des dizaines d'années. Toi, tu es en place depuis combien de temps, en fait? On a repris ça depuis 2 ans, plus ou moins, maintenant. Et voilà, on est très content. On est en famille, un restaurant familial, très accueillant. Et on fait une cuisine du terroir italienne. Voilà. Donc, en fait, là, tu me tends une perche. Tu dis que c'est familial, donc je pense que ta moitié est avec toi en salle, très certainement. Et j'ai entendu dire, en fait, qu'il y avait, je pensais beaucoup de choses à Liège, il y a une troisième personne, en fait. Donc, ton associé, c'est qui, en fait? Ok, ben voilà, mon épouse, c'est vrai, qui gère la salle. Et j'ai un associé aussi qui s'appelle, voilà, Christian Lajot, qui est le parrain de mon fils. Donc, c'est vraiment un restaurant familial. Et on veut vraiment donner de la cuisine familiale ici, avec une bonne ambiance, un bon verre de vin et une cuisine du terroir vraiment italienne. Voilà. Alors, vous pensez bien que je vais encore me sacrifier. D'abord, j'ai la tenue, j'ai la fourchette. Alors, on va manger apparemment un plat qui cartonne ici dans le restaurant. Voilà. C'est quoi, en fait? Voilà, c'est un plat qu'on a mis très peu, il y a peu de temps à la carte. C'est une tagliatelle au scampi, curry et courgettes. Voilà, un classique italien. Voilà, une petite idée à moi de rajouter un peu de curry pour donner un peu de piment à la recette. Et voilà, on va essayer, si tu veux. Voilà, oignon rouge. Huile d'olive, un tout petit peu de beurre quand même pour donner un peu de saveur au plat. On va rissoler la courgette ici. Là, on va commencer. On va rissoler, voilà, la courgette. Salvatore, sans surprise, c'est la référence pour le lunch de midi, puisqu'on retrouve ça évidemment à la carte, ça fait partie de la base de l'Astrada. On a une bonne assiette, c'est parfait. Évidemment, si on a un peu plus de temps, on va prendre un verre de vin rouge. On a une carte qui est quand même bien étudiée, même si la carte en elle-même ne comporte pas des dizaines et dizaines de bouteilles de vin, je ne pense pas que ce soit l'objectif. Là, on a un excellent vin rouge. Alors, si on avait un maître achat ici pour venir, que ce soit midi, je rappelle qu'on peut quand même venir également en soirée et en famille. Qu'est-ce que tu conseilles? Bon, voilà, moi, dans le vin rouge que j'aime bien, c'est la Maison Zenato, sur le lac de Garde. On est sur un vin de Vérone ici. C'est un ripassa, mais on a la marronne qui est exceptionnelle. On commence, j'ai les trois gammes, la petite gamme, la moyenne gamme
et le droit de gamme qui est la Marone. Des vins qualité-prix imbattables en Italie, je pense. Une maison extraordinaire avec une saveur de cerise, de fruits qui n'est pas trop justement agressive, etc. en bouche. Voilà, je conseille vraiment la maison Zenato. J'adore les vins du Nord, même si je suis sicilien à la base. J'ai quand même un coup de cœur pour ce vin-là. Voilà. Alors, on a un plat exceptionnel, ça je l'ai dit tout à l'heure. On a fait abstraction, mais croyez bien que si je pouvais me sacrifier dans le temps, je prendrais également une entrée. On vous retrouvait toutes les informations sur la page que Max 25 AgriMax mettra en place et vous tenir au courant, évidemment, parce qu'il faut quand même savoir un détail fort important, c'est que les lunchs sont changés tous les jours. Donc, si vous avez la chance de venir au moins deux fois la semaine ici, forcément, c'est un régal. Sachez quand même que les jours de fermeture, c'est facile, le dimanche, toute la journée, le lundi soir et le mardi soir. Salvatore, un grand merci.